Hey, salut les amis, ici Legend. Je vous fais une petite vidéo sur le secret de Der Eisendrache. Donc je vais vous expliquer étape par étape ce qu'il faut faire. Alors je tiens à préciser que je suis limité sur Char Factory, donc je vais essayer de vous expliquer. Alors tout d'abord, vous devez améliorer n'importe quel arc, ce qui est faisable à la manche 3 ou 4 grâce à la fusée où vous pouvez faire une entre guillemets manche illimitée. Donc ceci fait, vous allez poser votre arc là où vous l'avez amélioré pour récupérer l'ancien arc. Donc vous récupérez l'ancien arc et vous allez dans la salle du téléporteur. Je sais pas si vous avez vu, à droite j'avais reposé mon arc amélioré qui était le loup. Vous allez tirer sur toutes les boules du téléporteur. Et vous allez entendre un bruit de chien. C'est que vous aurez réussi cette étape. Ensuite, vous devrez chercher dans la map des éclairs dans chaque spot que je vais essayer de vous montrer ou de vous expliquer. Donc là, il y avait un éclair. Il faut tirer dessus. Et après, il va falloir chercher les autres éclairs dans les autres endroits. Donc là, vous en avez un au-dessus de la caisse en haut. Mais là, il n'y est pas. C'est des spots. Comme je vous dis, je suis désolé, j'ai pas pu trop vous expliquer. Je suis limité. Ensuite, vous en avez un à la roue arrière de la voiture qui n'y était pas. Ensuite, vous en avez un au téléphone là-bas où je vise en phase de réanimation rapide, mais il n'y en a pas d'éclair. Comme j'expliquais, je suis vraiment limité sur Char Factory. Je peux pas mettre autant de vidéos que je veux. Donc encore une fois, je m'excuse. Alors ensuite, vous en avez un sur l'horloge là, au-dessus de l'armoire. Et dans la salle, vous en avez un là où je vais tirer, je crois qu'il y est d'ailleurs. Voilà, un petit éclair. Troisième. Voilà. Et vous en avez un qui se situe au-dessus de la cheminée, dans la même pièce. Voilà, donc l'horloge là, il n'y est pas. Je revérifie. Voilà, là, il y est. Parce que mon collègue a activé de l'autre côté de la map son éclair. Alors l'astuce que je vous conseille de faire, c'est qu'il y en a un qui reste au milieu où j'ai activé le premier, et l'autre qui tourne à droite, et l'autre qui reste à gauche. C'est vraiment la meilleure des solutions. Que je vais vous montrer les spots pour ceux qui n'ont pas compris juste avant. Ça va prendre un petit peu de temps parce que j'étais en train d'expliquer aussi à mes collègues. Donc là j'avais oublié celui-là de la voiture, mais je vais y revenir. Je devais un petit peu tout gérer, donc c'est un peu compliqué. Il découvrait à peu près le secret, donc un peu comme moi. Et vous n'êtes pas obligé d'améliorer tous les arcs, hein. Juste un seul. Soit vous reprenez l'arc, soit celui-là qui a amélioré l'arc repose l'arc, et celui-là qui n'a pas amélioré l'arc. Donc là, ça c'est un autre spot. Donc celui-là qui n'a pas amélioré l'arc peut aussi tirer sur les boules du téléporteur. Et je précise aussi que le truc avec l'horloge 9h35, c'est juste un easter egg pour avoir la ventouse, ce qui ne sert strictement à rien. Donc là, voilà, ça c'est les deux autres symboles que j'ai pas pu vous montrer dans la juste avant. Donc là, quand ça fait ce bruit-là, c'est que vous avez raté l'étape. Donc faut attendre la manche suivante pour recommencer l'étape. Et là, le deuxième globe, voilà. Donc là, vous avez tout, je vous ai expliqué tous les endroits. Une fois fait, le téléporteur sera violet. Tout le monde doit rentrer dedans et activer le téléporteur. Donc une fois dans le téléporteur, vous allez récupérer Montrez les cette pièce symboles, qui montrez se les situe symboles. à gauche. Et là, il y aura des symboles qui vont apparaître. Ouais, en gueule. Vous voyez, Richtofen là-bas essaie d'appuyer
sur carré pour ouvrir ce coffre qui servira pour une prochaine étape du secret avec une sorcière. Donc il faudra faire deux passages pour aller la récupérer. Pour aller récupérer cette fameuse pierre. Donc n'oubliez surtout pas de venir la chercher. Donc ensuite, il faudra faire exactement ce que je fais. Vous vous collez là comme ça. Vous appuyez carré, carré, carré tout le temps. Carré. Sans vous arrêter. Pour récupérer une pièce invisible qu'il faudra mettre à la machine de la mort. Un petit pour l'activer en fait. Donc après, je dis Richtofen pour la caisse, mais ça peut être d'autres personnes. Pour l'instant, on l'a fait 2-3 fois et c'était Richtofen tout le temps. Donc coup de chance ou pas, on ne sait pas. J'espère que je suis assez précis. Donc vous allez vous retrouver dans cette salle. Il faudra remonter à la machine de la mort pour activer la dernière pièce invisible. Enfin, qu'il y avait dans la salle. Donc ça fera des éclairs comme ça. Ensuite, il faudra inscrire le code du docteur. Voilà. Les trois symboles que vous avez vus sur la porte, faudra les activer sur cet ordinateur. Donc une fois ça fait, vous allez ouvrir donc le coffre-fort. Vous allez appuyer carré et récupérer des pièces que vous allez ensuite déposer là où je vous montre en appuyant sur carré. Donc pour activer ces boules, il va falloir faire un jeu. Donc le jeu de Samantha, un sur ce PC et un sur ce PC. Donc le jeu de mémoire, comme sur Advanced. Donc voilà. Il va faire carré, etc. etc. Alors surtout, là où j'ai activé la pièce électrique. Sur la machine de la mort, de l'autre côté, il y aura une espèce de curseur avec destruction, protection. Il faudra le mettre sur destruction. De toute façon, je vais vous le montrer. Donc, une fois que vous aurez, il faut d'abord le mettre sur destruction. Voilà, ça ici là. Ça, faudra le mettre sur destruction. Et après, il faudra faire donc. Sur les deux étapes, sur les deux ordinateurs, faudra faire le jeu de mémoire pour activer cette lumière verte. Ensuite, vous cliquerez carré dessus. Donc pour être sûr d'avoir réussi les étapes des ordinateurs de jeu de mémoire, il faudra regarder ces boules blanches. Donc ensuite, vous allez descendre et récupérer cette petite pièce qui était dans la fusée qui vient de s'écraser. Vous allez ensuite l'activer en dessous, là où il y a le chevalier, l'armure du chevalier sur la table. Juste en dessous, vous devrez poser la pièce. Et vous venez de récupérer. Alors ensuite, une sorcière va sortir, vous devrez la suivre. Là, vous voyez, mon contour est vert, enfin bleu clair. Donc, ce n'est pas à moi de tirer. Plus il y a de joueurs sur le cercle, dans le cercle, plus le cercle va s'agrandir. Donc, vous voyez, ça nourrit la pierre. Donc, la sorcière va se décaler donc à un autre symbole. Il y en aura quatre. Il y aura quatre symboles. Voilà. Donc là. Vous voyez, c'est violet. Autour, c'est violet, donc c'est à moi de tirer. Voilà. On va la nourrir. Je vais revenir sur une pièce, donc la fameuse pièce dans
dans la salle du téléporteur que Richtofen doit prendre. Ça sera pour ces étapes-là. Donc vous voyez, mon écran est bleu, donc ça sera pour l'éclair. Donc oui, on a eu un petit souci, on était 4, puis on s'est retrouvé à 3. On a quand même décidé de tenter, et ça a marché. Donc lâchez pas l'affaire si vous avez des bugs de connexion comme à peu près tout le monde, erreur d'application, conneries comme ça. Voilà. La sorcière va partir. Et là, je vais vous expliquer pourquoi il fallait retourner au téléporteur. Alors, il fallait retourner au téléporteur pour que Richtofen récupère une pièce. J'arrête pas de vous en parler, oui, je sais pas pourquoi, mais c'est que cela nous aura bien fait galérer. C'est vraiment le truc qui nous aura bien fait galérer avec la pièce qu'on met dans la machine de la mort. On a passé énormément de temps dessus. Rien que d'y penser, ça m'a blasé. Donc, cette pièce, ce coffre qu'elle devra ouvrir, enfin, qu'il devra ouvrir, en fait, ça sera pour mettre le symbole ici pour la quatrième sorcière. Donc, pensez-y. Donc, voilà, on nourrit le quatrième symbole. Perso, on n'y croyait pas, hein, de réussir, vu que le joueur était parti et tout, on était blasé. Mais bon, on a quand même continué. Donc, lâchez pas l'affaire surtout. Donc la sorcière là, elle est partie et elle va aller retourner à sa pyramide. Donc quand vous allez retourner à la pyramide, vous aurez ça en fait. Donc je vous avais dit de récupérer une pièce en sortant du téléporteur à droite. C'est des kills Un maintenant. petit tube bleu, C'est des donc kills c'était pour ça vous. qu'il fallait récupérer. Donc ensuite, il faudra que les 4 joueurs aient leur point de choc chargé. Et le pose sur le symbole. Et ça va vous téléporter donc dans une autre salle où il y aura le boss. Alors nous sommes morts à cette étape malheureusement comme beaucoup de gens. Et en fait donc on a eu 2 fois le boss. Apparemment il faudra le tuer 3-4 fois. Donc on l'a blessé 2 fois aux flèches. Alors ce qu'il faudra faire c'est dès qu'il y a une petite boule blanche comme ça voilà, il faudra mettre les points de choc pour l'emprisonner. Donc voilà, il faudra. Nous on a tiré dans le cœur comme ça, on a tout essayé et au bout d'un moment ça a marché. Donc ce qui s'est passé c'est qu'après les Bonzer spawn, en fait, dès qu'on va la blesser, dès qu'on blessera la sorcière, elle va nous envoyer des Bonzer. Et donc là c'est vraiment la galère. Donc il faut vraiment s'entraider. Que je pourrais vous dire. Ah oui, alors malheureusement nous n'avons pas été plus loin, mais je peux vous expliquer la suite. Une fois que vous aurez tué cette fameuse sorcière, vous devrez sortir. Donc vous allez retourner à la pièce du pyramide, de la pyramide, et dans la pyramide il y aura un gros symbole bleu. Alors il faudra mettre une pièce dedans. Vous aurez récupéré je crois sur la sorcière. Et ensuite il faudra emmener la pièce l'ordinateur, pas celui-là de la fusée mais l'autre à côté de l'église, et vous aurez votre cinématique. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis ciao tout le monde.